Salut, c'est Claude MC Solar pour Bon Entendeur. Je vais parler des années 90, les choses qui se passaient, du temps de la carte orange, sortir, le soir, sound system, soirée. C'était la fête, c'était la fête. Fallait sortir, pour nous c'était l'évasion. Paris la nuit, les chats c'était des lions. On sort en bande, certains n'ont pas les jetons. Argent facile, certains tondaient les moutons. Des blocs parties, des taggers et des fly girls. On voit des punks, des rasta et des tas de jeunes. C'est le mélange du palace au sound system. Paris la night, je crois que je peux te le dire, je t'aime. Y'a la Java, les bains et le bobino. Péniche Ruby, le Rex Club et le Globo. J'étais partout, toujours avec des mecs louches. Évolution, apparition de la French Touche. Y'a des légendes, de la danse, Petit Robert. Années 50, soirée de DJ Gilbert. Il y a Chabin, Claude Chal et Dynasty. Pèlerinage, on se retrouve sur Paris. On a chacun sa nostalgie. Je peux te raconter des tas d'histoires qui vont pas parler à tout le monde, hein, ce sera la mienne. Il y avait la construction de plein de choses. On ne savait pas où on allait, mais on kiffait.
90, années 90, ça veut dire plein de choses. Il y avait aussi beaucoup de fêtes. Je suis pas une nostalgie particulière, mais je sais que c'était bien parce qu'on était tous en défricheur. On allait dans un studio, on savait pas où est-ce qu'on allait. On savait pas si on construisait quelque chose. On peut pas savoir, quoi. Quand on est sur la Tour Eiffel, on voit pas la Tour Eiffel. Colonna Manana m'a tout simplement Solalar MC et vous écoutez Bon Entendeur. Some friends of mine. Think that I was
période qu'on n'a jamais vécue. Tout le monde est masqué. Et ça change, ça laisse la chance à tout le monde. C'est un retour de l'égalité. C'est hallucinant de voir tous ces gens qui sont masqués dans la rue quand on se balade. Il n'y a aucun film qui avait anticipé ça, donc je sens qu'on vit un grand moment. Rappeurs actuellement, ils sont extrêmement forts. Toutes les figures de style qu'il y a pu avoir depuis l'existence, là, un rappeur actuel, il connaît tout. Techniquement, ils ont tout. Orelsan, Nekfeu, Big Flo Yoli. Le niveau, il est dans le rouge. Bye.
il y avait du rap américain et il y avait plusieurs écoles en vrai. Il y avait des écoles qui étaient un peu jazz. On appelait ça le Native Tongue. C'est là où il y avait Tribe Called Quest, Jungle Brothers, des choses un peu soul comme Big Daddy Kane. Il disait la même chose que les autres, mais beaucoup plus musical. En réalité, j'ai dû un peu m'imaginer plus comme cela que comme NWA ou Public Enemy. Ouais, je crois que c'est ça qui m'a guidé, hein. C'est de regarder des gens, tiens, j'aime bien celui-là, 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 celui-là. En général, ils sont des rappeurs américains d'origine jamaïcaine. Et il y a un espèce de groove. J'aime bien le temps présent et le temps à venir. Je suis optimiste, mais vraiment optimiste. Mini-jupe et mon quartier. Merci, merci, c'est.
Nous sommes très bons. À la Concorde, tu me vas de noir. Champs-Élysées, je te dirai quoi. T'as vu, Julien, ces derniers jours, j'ai un peu peur pour sa santé. Passe par les Halles, on fait des tours. Son téléphone doit être coupé. Oh, on est fou. On brûle très fort. 5, 6, 11, 4, 7, 8, 9, on monte en avant. Surtout, décroche pas, j'aurai besoin de te parler. Jacques, ne viens pas. Ici, tout ça, je vais filer. Il y a des trucs qui sont rigolos, donc t'as envie d'aller voir. C'est ça un kit guide. Un jour, je suis allé à Zanzibar parce que c'était rigolo. J'ai demandé à un agent de voyage, c'est quoi Zanzibar? C'est rigolo. Trouve-moi un truc avec un Z. Ça pouvait être Zambie, Zimbabwe ou je sais pas quoi. Puis elle m'a trouvé Zanzibar. Je suis allé voir, j'ai vu. Je suis revenu.
fellow, yo mi lo malo. If you want go wash water, you go use. To ba face be yo mi lo malo. If you want cook soup water, you go use. Water, don't get in me, don't get in me. Water, don't get in me, don't get in me. Don't get in me, he won't. Don't get in me, he won't. Don't get in me, he won't. Don't get in me. Moi, je me voyais toujours, depuis que je suis petit, près d'un lac, à faire des ricochets et à penser à son passé. Ouais, je me suis toujours vu comme ça. Et puis, avec des souvenirs. Dans 10 ans, je me vois là, près d'un lac, toujours. C'est là que tu peux faire des ricochets. What are you gonna use? To me ba pomo mi umi lo malo. To ba fello we o mi lo malo. If you want go wash water, you go use. Water, don't get in me, don't get in me. Water, don't get in me, don't get in me. Water, don't get in me, don't get in me. Water, don't get in me. Les rappeurs, c'est ceux qui travaillent le plus. Ils ont un espèce d'esprit d'émulation et de compétition, et ça fait augmenter le niveau.
Si on va le couper ou pas, ou s'il sera sur le truc à la fin. On m'a toujours raconté l'histoire de l'orchestre, il y a un orchestre qui joue. Et si tu veux vraiment en profiter, faut que tu te mettes à 10 mètres. Comme ça, tu joues avec les autres, mais t'entends aussi ce que tu joues. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire, être à 10 mètres. On joue, ça va, c'est pareil, mais en même temps, t'entends ce que tu fais. Oh, and it feels so good when it's-
cela. Tout a commencé là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là, tu te donnes du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Je continue mon trajet, j'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se porte? Ces hématomes étaient plus gros que les seins de Samantha Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum, j'ai du mal à comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie, qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui, j'adore, avec du sel et bien du jus. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Plus tard, dans le métro, y'a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie, il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite, il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je lui dis, jette-toi dans les coups, t'arrives direct dans la scène. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. J'écoutais ce qu'il y avait à la radio, c'était de la New Wave, du rock alternatif. Et puis la FM française, partenaire particulier, Lerita Mitsuko. Il n'y avait pas autant de sources musicales, donc on se mettait à la radio, on faisait une cassette ou on enregistrait, donc c'était extrêmement éclectique. Did you
conseils que je me serais donné il y a 10 ans ou 20 ans. Waouh, il y a 10 ans ou 20 ans, j'étais déjà dans la musique. Mais le conseil que je me donnais, c'était d'essayer de pas être, de trouver sa différence. La fameuse licence poétique, comment on appelle ça, un sixième œuf dans la boîte de six. C'est bien d'être un septième un peu différent, quoi.